côté. Non. Vers l'intérieur. Hein. Je pense que ce qui est vraiment bien, c'est que Seb soit là. Qui vous raconte vraiment comment ça s'est passé. Un très beau passage de front. C'est passé vraiment comme dans les livres. Et puis bah là, le premier qui attrapait le nord-ouest derrière, il pouvait allonger un peu la foulée. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire tout de suite pour faire un petit matelas de 1000. L'idée c'était de se caler sur la vitesse de massif, sachant que le bateau a une telle capacité à accélérer que ça ne servait à rien d'accélérer tout le temps. J'étais en super forme, c'est de la pointe Bretagne au passage du front, bah oui, j'ai vraiment pris le temps de faire plusieurs sièges, j'ai dû dormir au moins deux heures et demie, j'ai pu faire un plat chaud, voilà, m'hydrater, parce que je savais que la course elle démarrait justement après, il fallait avoir du rythme, voilà, pour être concentré, pouvoir attaquer un petit peu au cas où, et la course commençait bien, j'étais bien, franchement c'était facile et maîtrisé, voilà, jusqu'à ce que le flotteur cède. Le vent venait de rentrer, j'avais roulé le J3. La position, c'était d'être en tête, et puis après, c'était de se caler par rapport aux autres. Donc j'étais prêt à aller justement me reposer. Ben là, il y a eu le bateau qui volait, qui s'est reposé. Quand il s'est reposé, j'étais projeté sur la cloison, donc une grosse décélération. Donc là, j'ai assez vite compris qu'il y avait un bout du bateau qui était parti, parce que c'est... Ce genre de bateau, quand ça atterrit, ça redémarre tout de suite. C'est relativement smooth, c'est en glisse. Et là, d'un coup, c'était le bateau avec un comportement pas sain. Je suis allé vérifier, j'ai vu qu'il n'y avait plus de flotteur. Je suis retourné affaler la grand voile pour essayer de donner de la stabilité au bateau. Je suis retourné voir le flotteur, savoir s'il n'y avait pas de bruit de carbone autre dans les alentours, dans les environs. Puis là, j'ai attendu que le jour se lève pour pas prendre le risque du suraccident qui peut être que le bateau se retourne. L'idée c'est prendre pas mal de photos pour pouvoir échanger avec les gens qui sont à Lorient, avec le BE notamment, et puis imaginer des scénarios de reconstruction. Déjà constater ce qui est vraiment endommagé, ce qui est sain. Donc ça a pas mal travaillé, mon. La structure a l'air saine. Et bon, il y a des solutions, en regardant comme ça, il y a des solutions qui se profilent.